Salut à tous les gros lardons! On se retrouve aujourd'hui pour une présentation Zozoter Crit. Voilà, je sais pas si vous aimez faire des coups critiques, entendre le bruit du coup critique, mais moi c'est tout ce que j'aime dans ce monde des 12. Donc on part sur un stuf très connu, mais ça fait très très bien le travail. Donc c'est un stuf comme budget 235 millions, sans compter les skins. Voilà, donc qui nous donne 1019 de force, 11 PA, 6 PM. Niveau Rési, on est sur du 24, 24, 30, 24, 24. 2 invoques, 1500 initiatives, 70 de critiques, sans avoir un familier critique. Mais ce sont ce suffit là, j'en ai pas du tout besoin. 109 de puits. Voilà, donc on part sur un double item cœur saignant. Pour les 20 d'ocrit, donc les bottes exo 2% neutre, la mu exo 3% haut. On part sur deux items torque, sur la coiffe et la carapace pour avoir tout simplement le bonus encore des 10% en plus. C'est énorme, c'est pas négligeable. Donc la coiffe que j'ai exo 2% haut, la cape, enfin. La carapace que j'ai exo 2% neutre. Avec la panoplie cette fois-ci entière de la corruption. Donc exo PA sur la bague. Exo PM sur l'alliance. Une petite ceinture exo 2% haut. Avec, bon bien sûr, vous mettez ce que vous voulez en cac. Mais moi je préfère largement les dagues d'Isaël. Pour les dos crit, les dos, les critiques. Enfin, pour moi, il n'y a pas mieux. Le sac au cher, bien sûr, avec les 50 d'ocrit, 1 PA autopiloté. Ça, c'est pas négligeable d'avoir une Drago ou un Montilly autopiloté. Maintenant, de nos jours, si vous faites des quêtes, il n'y a rien de mieux. Donc, pour les dofus, vous pouvez changer ce que vous voulez. Des fois, je mets le tacheté par-ci par-là. Sinon, on est sur une base d'ocre pourpre, abyssal, turquoise, DDG et Vulbis. Donc rien de plus simple, comme bouclier du capitaine Amakna pour les dos crit et les crit, et bien sûr les dos mêlés parce qu'on est plus cac qu'autre chose. Allez c'est parti. Hop hop, donc on est bien d'accord, j'ai pas mis le tacheté. D'accord, j'ai pas mis le tacheté, tout est bon, ok, comme ça rajoute des dommages. Alors ok, alors go. Alors déjà, on va voir un peu de loin ce que ça donne. Ce que ça donne un peu de loin, donc moi, petit coup de masque. Donc on n'est pas loin, mais apathie 75%, c'est pas beaucoup, je vous avoue. C'est pas beaucoup, mais bon, ça fait le taf généralement, ça critique. Hein. Bon, après, on va passer aux choses sérieuses. Petit coup de maîtrise d'armes, toujours en CC bien sûr. Petit coup de masque. Donc là, moi, mon objectif, c'est de mettre une petite Furia. Alors, 1002. Avec ça, on met deux petits coups de dague. 1700, donc 1700 x 2. Et avec un petit appui, léger pour le goût. Et un petit 1605. Ouais, généralement, ça c'est tout le temps de toute manière. Donc, on est de suite sur du. Dire la 1002 plus du 1700. Plus du 1700. Plus du 1650 avec l'appui. Ouais, on est sur du 6250 par tour. Sachant que ce qui est bien avec le Zobal, c'est qu'on a toutes sortes de boubous. En tapant avec n'importe quoi, c'est super. On frappe et on met des coups. Et on se. Ah, pas de CC. Bon, ça arrive. Les dagues, je vous rappelle, 85%. Hein, donc, rares sont les moments où il n'y aura pas de CC. Hein. Furia, 95%. Hein. Donc, franchement, pour moi, avec ce Zozo, ça fait très bien le taf. Songe, tout ce que. Enfin, bon, après, on peut mettre un petit Tarkshal. On peut mettre. Voilà. Vous pouvez combiner avec ce que vous voulez. Il y a tellement de combinaisons possibles. Mais voilà, avec ce su, je peux vous dire, vous gérez tous les donjons avec votre petit premier tank et la team restante. Ça fait son taf. C'est Rox, c'est Boubou. Rien à dire. C'est parfait. Je vous dis à très bientôt.